Salut à toutes et à tous, c'est Protox, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Je suis vraiment content de vous présenter ma seconde vidéo parce que après avoir fait la première j'étais pas sûr d'en refaire, ça dépendait des retours de vos retours. Vous avez été assez content de ma première vidéo, j'en suis ravi, même si moi j'étais pas très fier du résultat à la base. Mais vous m'avez donné un peu de courage et vous m'avez dit d'être un petit peu plus enthousiaste. Donc c'est ce que je vais essayer de vous faire dans cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Donc cette vidéo sera intitulée La vie après la mort, enfin les modes de communication. Ça se déroule en plusieurs parties parce qu'il y a plusieurs modes de communication. À la base, j'avais prévu de faire tout ça en une seule vidéo. Mais déjà, quand j'ai vu le premier, le Ouija, je me suis dit, bon, bah, je crois que je vais faire plusieurs vidéos parce que celle-là va déjà être un petit peu longue. Enfin voilà, je vous invite encore à like le Facebook, ça fait vraiment plaisir. Donc je vais commencer le commentaire. Alors, de toute façon, vous savez tous, depuis toujours, la mort a intrigué. Enfin, l'humain a toujours eu peur, de l'inconnu. Enfin, la mort, pour lui, reste inconnue tant qu'il ne l'a pas vécue. Donc, certains ont eu des récits de mort imminente. Enfin, on en a tous entendu parler, le grand tunnel blanc avec des espèces d'âmes y allant, des personnes qui ont vu leurs proches leur dire non, n'y va pas, reste dans la vie. Enfin, voilà. Ensuite, il y a eu beaucoup de récits aussi de fantômes apparitions, enfin des apparitions qui a eu des formes, des silhouettes, des choses comme ça. Beaucoup de gens ont fait des récits par rapport à cela, qui restent toujours très intrigants. Bon, il y en a, on voit vraiment que c'est des fakes, mais il y en a d'autres, on se dit, et anguille sous roche, peut-être bien que les fantômes existent, on n'en sait rien. Après, chacun a eu des petites expériences personnelles. Genre, moi, une fois, j'étais en bas dans mon salon, peinard, à regarder la télé, c'était 1 h du matin. Et là, d'un coup, j'entends une petite musique. Je me fais, mais what the fuck, c'est quoi ça? J'éteins la télé, j'entends une petite musique, mais vraiment toute fine. Je monte dans ma chambre, c'était ma boîte à musique qui avait fait de la musique toute seule. C'était une petite boîte qui se remontait manuellement, que j'avais achetée à Disneyland, enfin voilà. Mais c'était pas électrique, du coup ça pouvait pas être un faux contact ou quoi que ce soit, donc ça m'a vraiment paru bizarre. Je l'avais expliqué sur la chaîne, sur le Facebook de la chaîne. Et enfin, souvent, ce qui va être en lien direct avec ce qu'on va voir dans ce commentaire, beaucoup de personnes sont en détresse après la perte d'un proche. Donc certaines personnes n'arrivent pas à passer le pas. Du coup, ils essayent de renouer le contact avec ces proches disparus. Donc on en vient au Ouija. Tout d'abord, il faut un peu connaître l'histoire du Ouija avant d'attaquer le sujet sensible, comment il fonctionne, etc. Donc il faut savoir tout d'abord que le Ouija, avant à sa création, c'était considéré comme un petit jeu de société. Il a été inventé par les frères William et Isaac Fould en 1898. Donc c'était un jeu de société. Enfin voilà. Le Ouija a pris une autre dimension à l'occasion des deux guerres mondiales. Parce qu'en fait, je vous expliquais, durant les guerres mondiales, je pense que vous le savez tous si vous avez fait un petit peu d'histoire au collège, les veuves des guerriers, enfin des guerriers, des combattants, souvent elles regrettaient pas mal leur mari disparu et du coup elles se sentaient vraiment vraiment seules parce qu'ils n'ont pas pu faire leur revoir, etc. Du coup ils utilisaient des moyens de magie occulte, enfin je sais pas si on peut appeler ça de la magie, enfin voilà, essayer de contacter les morts par le biais du Ouija. Donc ils essayaient justement de recontacter leur mari tué au combat. Donc du coup, bah, la demande en Ouija a vraiment explosé. Enfin, beaucoup de personnes en ont demandé justement durant ces guerres. Et donc les frères Fould avaient vraiment du mal à satisfaire toute la demande. Donc voilà, donc jusqu'à cette date-là, ça restait assez occulte, enfin assez réservé pour les personnes qui voulaient vraiment chercher à contacter des morts. Donc ensuite, en 1996, le fabricant de jeux américain Parker Brothers, enfin Parker Brothers, je pense que vous connaissez tous les jeux de société Parker. Vous avez déjà vu des pubs, etc. Moi, perso, j'en ai déjà vu. Ils ont racheté les droits de production du Ouija. Et il faut savoir que ce fut une affaire vraiment, vraiment rentable parce qu'ils se sont écoulés à 25 millions de coffrets vendus en Amérique et en Europe. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, 25 millions de coffrets, imaginons 20 $ unité, ça représente plus de 40 millions de dollars de recettes, quoi, c'est un peu énorme. Donc voilà, après avoir fait ce petit topo sur l'histoire du Ouija, nous allons passer à la description, voir un peu comment c'est foutu, etc., et comprendre comment ça marche. Donc il faut savoir que le Ouija, c'est une petite planchette de bois, enfin, de taille plutôt moyenne,
où dessus il y a l'alphabet latin, donc A, B, C, D, E, F, G, enfin jusqu'à Z. Les 10 chiffres arabes, donc 1, 2, 3 jusqu'à 9, avec le 0, excuse-moi. Ainsi que les termes oui, non et au revoir. Donc ces termes-là sont assez importants, on y reviendra plus tard. Donc ce dispositif est utilisé de manière la plus fréquente au cours des séances de spiritisme. Bah oui, parce que je sais pas ce qu'on veut faire d'une petite planchette avec l'aide de l'alphabet dans la vie de tous les jours. Hein. Tu vas pas te balader avec ta planche, tiens, je vais te parler en montrant du doigt les lettres. Enfin voilà. Et justement, cette planche permettrait, soi-disant, de contacter des esprits et d'avoir leur réponse de manière intelligible en épelant les mots, justement à l'aide de l'alphabet et des chiffres, durant son intervention. Donc jusque-là, rien de bien extraordinaire. On se doute que si l'aide de l'alphabet. Non. Oui, les lettres de l'alphabet plus les chiffres, c'est pour que l'esprit essaye de nous contacter par ce biais-là. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer un peu comment se déroule une séance de spiritisme à l'aide d'un Ouija. Donc tout d'abord, chaque participant posera les mains écartées le plus possible en contact avec la planchette et ce contact-là devra être le plus léger possible. Donc de façon à ce que l'esprit puisse prendre contact. En fait, il y a un petit triangle où chacun met son doigt dessus. Ce petit triangle s'appelle la goutte. Et en gros, on doit avoir un petit contact vraiment léger avec celui-là. Ensuite, chacun des participants ne devront plus bouger pendant une dizaine de minutes. Donc cela aura pour but en fait de réguler la température de la main et qu'elle reste à peu près même température. Donc je pense que la température, ça doit être dans les 30 et quelques degrés. Donc pendant cette période d'immobilité, on doit avoir aucune pensée. Donc par exemple ne pas penser à son chien, à sa belle-mère qui nous fait chier tous les jours, ou je sais pas moi, à ses cousins ou ses profs, enfin n'importe. Ensuite, dès que la petite planchette commencera à bouger, le médium il va suivre cette petite planchette sans perdre le contact, et justement ça va l'aider à prendre contact avec l'esprit. Donc il faut absolument savoir que durant ces séances de spiritisme, il faut avoir quelqu'un d'expérimenté avec soi si on veut pas avoir de problème. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur les problèmes que peuvent engendrer un Ouija ou toute forme de contact avec un esprit. Donc quand la planchette commence à faire des mouvements, le guide de la séance devra annoncer avec calme et clairement la disposition des lettres sur le tableau afin d'instruire l'esprit sur la disposition de celle-ci. Donc en gros, il explique à l'esprit comment ça marche le Ouija et comment il peut s'en servir. Donc une fois que tout ça est terminé, c'était la phase préparatoire. Ensuite, bah, il n'y a que le médium qui pourra poser les questions. Parce que toutes les questions ont été préparées à l'avance, il faut savoir. Et donc le médium va poser toutes les questions qu'il veut à l'esprit. Et il n'y a que lui qui pourront les poser. Et il va donner les réponses et justement il va noter sur un bout de papier chacune des lettres que l'esprit va dire grâce à la petite planchette ou goutte, si on veut aller dans le jargon, vraiment poussée. Donc il faut savoir qu'il peut y avoir quelques petits problèmes avec le Ouija, voire gros problèmes, ça dépend si on y croit ou si on n'y croit pas. Donc il peut arriver que certaines fois l'esprit contacté soit un esprit assez méchant, voire malsain. Donc comment cela peut-il arriver? Ou quelle sorte d'entité peut-on avoir? Donc tout d'abord, on peut avoir l'entité qui joue frangé. Donc en gros, t'as une entité, elle arrive à dire « Ouais, moi je suis méchant, je vais vous faire chier. » Donc l'entité s'amuse avec vous. Il vous menace, vous insulte, les objets se mettent à bouger autour de vous. Une atmosphère menaçante, une ambiance de peur, la panique s'installe chez vous. Enfin jusque-là... Vous devinez que vous êtes sur quelqu'un de méchant, du coup bah vous êtes préparé, enfin vous allez comprendre pourquoi je dis ça par la suite. Deuxièmement, il peut y avoir une entité vicieuse. Donc ces entités là, une fois qu'on tombe dessus en fait, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Vous pouvez croire que vous parlez à une entité gentille, cependant cette entité gentille est en fait une entité malsaine, comme la première, sauf qu'elle ne vous fait pas voir. Ce qui est d'autant plus vicieux, c'est que cette entité peut faire montrer qu'elle est une entité d'un de vos proches, genre par exemple votre grand-père disparu, elle peut faire croire que c'est votre grand-père en allant dans vos pensées. C'est pour ça que durant la séance il faut éviter d'avoir des pensées pour pas que les entités puissent s'en emparer, et donc du coup elle trompe votre vigilance et elle peut venir en tel lieu ou passer un pacte avec vous sans que vous le sachiez, et c'est là franchement que ça peut être vraiment dangereux. Et enfin, le plus
difficile qui peut arriver, c'est que si vous faites une séance de spiritisme par exemple avec vos potes, bon, il faut savoir que être médium, apparemment, c'est avoir un don naturel de naissance, etc. Donc si vous faites une petite séance de spiritisme entre potes et vous réussissez à avoir un esprit qui n'est pas gentil, et que votre un de vos amis est un médium mais ne le sait pas, et bah le démon ou l'entité malsaine peut prendre possession de lui et récupérer son âme et justement assouvir ses pensées malsaines et différentes choses mal dans la réalité par le biais de cette personne qui est médium. Donc là, c'est vraiment si on n'a vraiment pas de chance. Enfin voilà. Et donc, je vais vite fait vous soumettre le petit point de vue scientifique, comme quoi le Ouija, ce serait que quelque chose qui n'a aucun rapport avec les esprits, mais juste qu'il y a un rapport biologique. Enfin, apparemment, les messages qui sont transmis proviennent du subconscient de chacun des pratiquants. Bon, déjà, là, ça me paraît un peu bizarre dans le sens où je pense pas que chacun des participants pense la même chose en même temps. Enfin voilà, et que les joueurs qui auraient pu être perturbés seraient en fait cause à des légers spasmes qu'ils peuvent avoir durant cette séance pour faire bouger la goutte. Enfin, ça, j'y crois pas trop. Je pense franchement qu'il y a un petit truc dans le Ouija qui est inexpliqué et justement qui fait un peu flipper. Et c'est pour ça que moi, je flipperais un peu de le faire. Pour finir ce commentariat, je vais vous montrer je vais vous dire une petite histoire qui arrive avec un Ouija. Donc j'ai vu, c'était un petit reportage d'un quart d'heure sur une famille américaine qui a décidé d'acheter un Ouija. Et donc en fait, c'était le père et la mère de famille. Ils se sont dit bon, on va essayer parce que c'était des amis à eux qui leur en avaient parlé. Donc apparemment, ils faisaient ça plusieurs fois par jour. C'était une espèce de drogue pour eux. Donc apparemment, elle avait des réponses sur quand elle est tombée enceinte, par exemple combien si elle aurait des jumeaux, qu'est-ce qui va arriver dans son travail, si elle aurait une rentrée d'argent, enfin en fait tout ce qu'on demande quand on va voir un astrologue ou quelqu'un qui lit dans les cartes. Sauf que il demandait à un esprit par le biais du Ouija. Jusqu'au jour où, un mois après avoir débuté, la femme demande est-ce que vous êtes un esprit gentil? Là il répond non. Donc là, il commence à se poser des questions. Et du coup, elle lui demande son prénom. Et son prénom, il a été appelé Vox. Enfin, voilà, c'était le nom d'esprit apparemment. Et après, le Ouija s'est emballé. Donc la goutte s'est emballée. Elle a commencé à faire des 8 sur tout le Ouija. Et faire un décompte. Donc 9, 8, 7, 6, 5. Et là, ils ont tout arrêté. Ils ont rangé le Ouija, ils n'y ont plus touché. Donc pendant un mois, la famille, bah, ça s'est bien déroulé et tout, enfin une vie normale, une vie de famille, enfin ça allait au travail, ça revenait. Et un mois plus tard, il a commencé à avoir des choses étranges dans la maison. Donc un courant d'air frais dans l'escalier, des bruits suspects, enfin les bruits d'une maison, mais un peu plus accentués. Genre par exemple, imaginez un mur qui craque, enfin ça arrive chez tout le monde, mais là, plus accentué. Jusqu'au jour où, en fait, ils ont eu des invités chez eux pendant Thanksgiving, enfin vous savez la fête de la dinde là, je sais plus ce que c'est exactement, enfin bref. Ils avaient un petit enfant, enfin il devait avoir 2 ans à tout péter, et il avait laissé des jouets à traîner dans le salon. Et là, les jouets sont mis à fonctionner tout seuls, sans aucun rapport, enfin ils sont allumés tout seuls. Et apparemment ça a fait flipper vraiment grave leurs invités, et ils sont tous partis. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont dit il y a vraiment un problème. Donc une autre anecdote de cette famille. Ils étaient dans leur lit le soir, il faisait nuit, et ils ont entendu un bruit vraiment strident venir de la chambre de leur bébé. Enfin, de leur bébé de 2 ans. Et ce bruit strident, ça faisait imaginer une femme qui crie de toutes ses forces, apparemment c'était la description. Donc ils y sont allés, et ils ont vu l'armoire ouverte dans sa chambre. Enfin, ce qui est une armoire que le mur en fait est assez ouvert toute seule. Donc à partir de là, c'est dit qu'il y avait un problème dans l'armoire. Donc du coup, elle l'a fermée, elle a mis de la ficelle autour. Elle a sorti son enfant. Et en sortant de la chambre, l'armoire a commencé à bouger toute seule. Enfin, parce qu'elle essayait de s'ouvrir, mais elle n'y arrivait pas. Donc peut-être que l'esprit était bloqué dedans. On va voir ça plus tard. Continuons un peu. Ce phénomène s'est répété un petit, une ou deux fois dans la chambre de son enfant. Jusqu'au jour où ce phénomène s'est répété, elle a pris son enfant et en voulant sortir de la chambre, elle a vu la silhouette de Vox. Donc là, c'est caché derrière le mur, elle a regardé une deuxième fois, elle l'a revue.
J'ai regardé la troisième fois et là, la puvue, elle est sortie de chez elle et ils ont fait venir un médium. Donc ils ont contacté leur église qui leur a indiqué un médium. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'esprit a pris possession de la plaque de Ouija, de l'armoire qui était collée au mur, de la chambre de l'enfant. C'est pour ça que les phénomènes les plus étranges venaient de la chambre de l'enfant. C'est que la plaque était collée au mur. Donc du coup, apparemment, ils ont mis la plaque dans une piscine. Donc ils l'ont enfouie sous l'eau, parce qu'en fait les esprits ne peuvent pas passer à travers l'eau. Ça je le savais pas, je viens de l'apprendre. Et apparemment les phénomènes ont recommencé un mois plus tard. Donc à partir de ce moment-là, ils ont brûlé la planche de Ouija. Donc dans le reportage, on voit des images d'archives où vraiment ils brûlent la plaque. Donc on n'y croit pas, ça c'est à chacun ses propres pensées. Moi personnellement, je suis assez pessimiste. Comme l'hypnose, etc., j'y crois pas tant que je les vivrai pas. Mais tout ce qui est fantôme, esprit et tout, j'ai quelques hésitations parce que j'ai déjà été confronté à des choses assez bizarres, donc sur lesquelles j'ai pas pu mettre d'explication. Donc du coup, je suis assez troublé et assez sceptique par rapport à ça. Donc voilà. J'espère que vous réussirez à vous forger votre prochaine opinion. Donc vous aurez un prochain épisode sur les moyens de contact avec l'au-delà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, moi en tout cas j'ai trouvé vraiment sympa à faire. Donc je vous remercie vraiment tous de votre soutien et j'espère que ce commentaire vous plaira plus que celui d'avant. Je vous invite à rejoindre le Facebook et à nous suivre sur Twitter. Merci à tous, ciao!